Nouveau poison explosif. L'isoglucose substitue du sucre. Sans que le public ne le remarque, le sucre conventionnel présent dans les produits alimentaires de l'UE est remplacé par l'isoglucose américain. L'isoglucose, souvent déclaré comme sirop de fructose ou de glucose, est un sirop de sucre industriel produit artificiellement, utilisé dans le chocolat, le pain, les produits de boulangerie et les pâtes, les sucreries ou les sauces barbecue. Selon la chercheuse américaine Kathleen Page de l'université de Yale, l'isoglucose est à l'origine de nombreux maux quotidiens, dont le diabète, l'obésité, les crampes abdominales, les nausées, les flatulences, la diarrhée ou les maux de tête. Diverses études démontrent même comme conséquence le cancer, l'infertilité, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la dépression. Les scientifiques de l'Université de Californie à Los Angeles ont découvert des altérations génétiques lors d'expériences sur des rats. La population doit-elle être délibérément rendue malade? Thank you.